Yo tout le monde, c'est Miss Lordaï, j'espère que tout va bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty. Aujourd'hui donc, présentation de la Team Deck très rapidement. Je vais vous faire une petite parenthèse parce qu'il faut aller très rapidement. Donc je ne peux pas poster de vidéo depuis de 15 minutes pour l'instant parce que j'ai un léger problème. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va aller très très vite. Donc j'avais déjà fait cette première vidéo mais elle a duré 19 minutes et j'ai un problème. Je ne peux pas upload de vidéo depuis de 15 minutes. Donc on va aller très très vite. Donc je vais présenter la team deck, donc voilà. Donc déjà je vais dire tous ceux qui font partie de la team, après je vais les présenter selon les rosters, et ensuite je vais montrer leurs stats, mes stats aussi bien sûr, et mes classes. Et puis voilà, donc on a moins de 15 minutes pour faire tout ça, c'est parti. Donc je vais vous faire voir donc tous les membres de la team, donc il y a moi bien sûr, et mon guardian, un grand VGM de haut niveau. Donc l'un des deux chefs de la team, donc je suis l'un des deux chefs de la team parce qu'il y a deux chefs de la team. Donc il y a Yanis du Real Madrid, un joueur de type soutien, donc qui aide à réaliser les défis. Donc je vais vous dire aussi qu'est-ce qu'ils font dans la team. Stylo 313, donc Yanis, Loïc, un joueur de type soutien, pareil. Lika plus 66, Alexis, qui est un player dans la team, mais qui peut faire, qui est soutien aussi, donc, tout, comme tous les players, quand il y a les chefs, on se met en soutien. Ensuite, il y a Papidav, qui est un nouveau dans la team, qui est en soutien, donc voilà. Brioche 46, qui joue en soutien. Je sais pas comment dire. Et qui va nous réaliser les parties sniping en général, parce que voilà, c'est notre joueur snipe. Je sais pas comment appeler ça, mais voilà. En tout cas, après il y a FaZe Ezio, un genre de type soutien. Donc FaZe Majid. Donc Brian, je sais pas comment il s'appelle, moi j'ai jamais demandé. Donc Dizar, Lucas, un genre de type soutien. Ensuite, il y a Vince la saucisse, alias Vincent, qui est l'autre chef de la team. Donc, bien sûr, un player. Hein. Donc, voilà. C'est un peu logique. Et voilà, on est au bout. Ça, c'est mon deuxième compte. Je vais faire ses stats, etc. aussi après. Sinon, voilà, encore un autre compte. Les stats aussi. On va tout faire. Donc, je vais vous présenter la team selon tous les rosters. Attendez, juste de vous. J'ai tout noté sur un papier parce que sinon, ça va être très très long. Donc, on est parti sur le roster. Ah, donc, c'est Dwarf Arc, où il y a Alexis, Loïc, Lucas, FaZe Ezio, Papidav et Yanis et moi bien sûr. Donc on est 7 dans la team, dans le roster Advanced Warfare, donc c'est là où il y a plus de monde. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de défi à réaliser pour entrer dans la team. Pourquoi? Parce que bah, là on n'est pas tous excellents. Je crois que je suis le seul de la team à avoir fait plus de... Non, je crois qu'il y a Alexis qui a fait une vicieuse. Je crois que c'est le seul de la team à avoir réalisé une vicieuse. J'en ai réalisé 7. Donc, il me semble que je suis le seul. Mais il y a, avec Alexis, il est sûr même, mais c'est Loïc, je suis pas sûr qu'il ait réalisé une vicieuse. Donc, voilà. Donc, sur Black Ops 2, il y a Alexis, Vincent, FaZe, Loïc et moi. Donc là, il y a des défis à remplir pour entrer dans la team. Je vais les dire à la fin de la vidéo. Ensuite, sur Ghost, il y a FaZe, Lucas... et moi. Moi, on n'est pas beaucoup sur Ghost, malheureusement, mais c'est la vie. Donc, ensuite, maintenant, je vais vous faire voir toutes les stats de sur Black Ops 2 de toute la team. Donc, on va commencer par moi. Donc, voilà, j'ai 17 jours de jeu avec un point de revue de ratio qui est nul. On a tous commencé, de toute façon, toute la team a commencé sur Call of, donc c'est normal qu'on a des stats de merde, déjà. Donc, ratio des fois, victoire défaite 0,59, on s'en fout. Score par minute 268. Ensuite, ça, mes dernières parties, voilà. Hein. Il y a un beau massacre. D'ailleurs, allez voir la dernière vidéo. C'était un beau massacre. Donc, voilà. Une nucléaire en vrai, les gars. Hein. XP bot, ça sert. Ça fait longtemps. C'était pour monter mes fusils d'assaut, on me rappelle, pour faire les headshots. Donc après j'ai joué beaucoup la haine et la scratch. Les ratios ont beaucoup augmenté depuis un certain temps. Balista aussi je commence vraiment à y jouer de plus en plus, avant c'était DSR. Donc Betty au début je jouais qu'à ça. Donc ça fait au moins un ou deux mois que je joue à l'insert C4, donc voilà pourquoi il y a beaucoup l'insert maintenant. Ensuite les scars je joue beaucoup en soutien. J'ai bien mes petits délires aussi avec l'aéronef, enfin voilà, je vous en passe. Hop 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 hop, après on s'en bat les couilles. Donc voilà. Ensuite, on va passer à... On en a combien au niveau du chrono?
4 minutes. Oh, ça va, on n'est pas... Ça va, on a le temps. Donc on va passer à Brioche, donc un joueur de type sniper, vous allez voir pourquoi. Donc il a 14 jours de jeu, 0,88 de ratio, 0,57 victoire défaite et un petit cheat pour le score fameux. Voilà. Ensuite, là, ça... Ouh, voilà. Vous voyez, ce top 3, c'est que du snipe, hein. Voilà, une balle à mort, voilà. Balista DSR, hein, du beau ratio, bon, du beau ratio quand même, ça va. La syntaxe pour faire les... Merde, bug. Je sais plus quoi ça s'appelle, là j'ai un gros bug, bon, bref. Les... pas les sweep, qu'est-ce que je dis? Je sais plus le mot là, je sais pas, mais donc ils jouent en soutien beaucoup aussi. Drone... Oui, il joue surtout au sniper, donc bien sûr, il va pas sortir grand chose, hein. C'est un peu chaud au sniper. Donc, Loïc, qui a 4 jours de jeu, 0,89 de ratio, 0,41 de victoire défaite, 274 de score par minute. Top 3 des armes, Scar, HM, Tara, N. En vrai, il a réalisé une nucléaire. L'autre, c'est Punish le bot, mais en boost. Donc, voilà. Un bon ratio avec les armes. Voilà, après ça joue beaucoup à la syntaxe. Voilà, hop. Joue pas mal en soutien pour nous. Et voilà. Hein. Ensuite, mon autre compte. Donc, bien cheaté pour tomber contre des mecs assez bons et s'améliorer. Bien sûr, c'est pour ça que j'ai augmenté mon ratio sur ce compte. Donc, voilà. C'était à la base pour réaliser des nucléaires. Mais voilà, ratio 3,82 bien cheaté. Et alors là, ratio victoire défaite 24. Ce qui a pas eu 822. Alors, je rajoute beaucoup en plus. Parce que c'est pas en. Moi, c'est pas en. Comment ça s'appelle hein. XP bot que je relise les scores par minute énorme parce que quand on est beaucoup c'est un peu chaud. Donc voilà, hein, j'ai fait que 252 kills à la SAT et c'est un XP bot, le reste j'ai rien fait en XP bot. C'est pour ça que ma médaille tire de loin c'est la meilleure. Donc voilà, je crois que j'ai fait une implacable sur ce compte. Je vais peut-être me créer un compte. J'avais un compte mais je commençais à reverse boost dessus. Je vais vous faire voir. Ah non, j'ai pas un ami ce compte. Et peut-être faire une petite ellipse à la fin pour aller sur ce compte. Pourquoi pas, on verra ça. Ah, j'ai juste à commander ma... Oui, on verra ça à la fin. Donc, Lucas, donc, qui a 9 jours de jeu. 0,71 de ratio, 0,41 de score de victoire défaite. 222 score par minute, XP bot. Déjà, médaille vengeance, voilà. Aucune nucléaire. Voilà, un petit ratio à laine, pourri. Après, voilà... Pas grand chose à regarder, il est en soutien beaucoup, voilà. Ensuite, il y a Faizezio qui a 1,52 de ratio, donc je vous dis, c'est pas du tout vrai. Hein. Il a fait un petit lobby, j'ai l'impression. Il a 5 jours de jeu, 0,72 de victoire défaite, un petit lobby pour 120 minutes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'XP bot. Vous allez voir, démolition, voilà. 8 tours en démolition, c'est énorme. Partie de d'XPBot, voilà, tout est fou ici. Même sans ratio, je pense que là, ça doit être bien plié. Voilà, bon. Si tu as envie. Il n'y a personne, là. Mais normalement, c'est pas plié d'après, oui. Donc, j'ai jamais vu ces stats BO2. Ah, si, j'ai fait la vidéo. Donc, un de ratio, 4 jours de jeu. Tout est vrai chez lui. Voilà, implacable, hop. Un bon petit ratio quand même avec les armes, surtout au snipe, pas mal. D'accord. Ensuite, mon autre compte, je vous ferai vite fait, c'est chez mon cousin, donc c'est un compte que j'ai joué il y a un an peut-être. Donc j'ai 12 heures de jeu, 1,24 de ratio, 0,65 de victoire défaite et un score par minute de 251. Inhabitable et de tuerie. Nanana, nanana. Ok, on s'en fout. Donc je pense que je vais recréer un compte, les gars, où je vais mettre des vrais stats. Ça, c'était mon cousin, mais il joue plus à Call of. Et il faisait partie de la team. Donc Vincent, 11 jours de jeu. Voilà, voilà. On s'en fout. Aucune nucléaire. Un petit peu d'XP bot. Un petit ratio, voilà.
voilà. Et Yanis du Real Madrid. Avant, je vais vous faire voir aussi Alexis qui vient de se connecter. Voilà, 0,93, on s'en fout. Très impitoyable. Il est vrai, je vous confirme. Voilà, je vais tripler très vite parce que ça me casse les couilles. Là, c'est vraiment long et chiant. Hop, 18 jours de jeu. Tout est faux. Il a réalisé une nucléaire. Ah non, elle est bonne, la nucléaire. Elle est bonne. Chaîne d'élimination, elle est fausse. Tac. Et tac, et tac, et tac, et tac, et tac. Donc voilà. C'était très long. Donc ensuite, pour entrer dans la team sur Black Ops 2, donc les autres Call of, il n'y a pas besoin, vous me demandez un ami, vous m'envoyez un message, c'est pour entrer dans le roster, nanana. Et après, on en parlera tranquillement. Et on testera votre niveau aussi, qui est un certain niveau quand même. Et sur Black Ops 2, il faut avoir réalisé une implacable. La médaille massacre à l'arme, je tiens à le confirmer, ou au sniper. Et une code feed au sniper, broc maximum par un gars. Donc voilà, moi c'était tout ce que j'avais à vous dire. Lâchez un like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. La prochaine vidéo sera un top 10, à moi je vous dis à la prochaine. Ciao.